Ils se sont inspirés de Franklin Roosevelt. Pardon ? Franklin Roosevelt envoyait la grande flotte blanche sillonner le monde en 1907. Il avait appelé ça la visite de la bonne volonté. C'était pareil, ce n'était rien d'autre qu'une démonstration de force. Il faut que je termine mon discours, ce sera tout, je vous remercie. Monsieur le Président. Merci. Je vous retrouve en bas. Monsieur le Président. C'était Theodore Roosevelt. Qui ça? Vous avez dit que Franklin Roosevelt avait envoyé la grande flotte blanche. En fait, c'était Teddy. Merci, Marc. Quand vous aurez démissionné, vous serez sûrement très bon à qui veut gagner des millions. C'est un beau symbole. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. La probabilité en France métropolitaine, la probabilité est faible. On ne peut jamais savoir avec certitude. La météorologie fait que cet accident ayant survenu dans l'hémisphère sud, a priori, le système de vent reste dans l'hémisphère sud. Mais on ne peut pas en être certain. J'aime pas Renault, tous coupables, hein, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renault sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, donc je ne peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renaud. C'est quoi? C'est Renaud qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Ah, je croyais que vous étiez en train de nous faire... Ah non, on est dans l'actu, nous. Bah, vous me parlez du foot, alors si vraiment... C'est de l'actu aussi. Faut mes lunettes, là. Bien, mesdames et messieurs... Ton père est sans doute déjà en bas en train de nous attendre. Comment va-t-il? Il va bien. Il a dit une bêtise à la réunion, à ce qui paraît. Oh. N'importe qui aurait fait la même erreur. Oh, je connais ce regard. Ça ne va pas, dis-moi. La petite erreur que tu as commise à ta réunion. Marc a dit que ce n'était rien. Que je n'avais pas à m'inquiéter. Ça progresse beaucoup plus vite que ce que les médecins avaient dit au départ.